les ténèbres pour le cortège de l'expression au soleil. Oui. Attends, pour Jésus, plus fort, plus fort. Pour son serviteur, le cortège de l'expression. Il faut du temps. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence, Adonai. Merci parce que tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Tu veilles ici ta parole pour la remplir et l'exécuter. Nous te bénissons encore et encore. Je m'abandonne entre les creux de ta main. Utilise-moi et bénis chacun d'entre nous. Toi qui renouvelles les forces. Et renouvelle nos forces, Seigneur notre Dieu. Je compte sur toi. Au nom de Jésus que j'ai prié. On dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Beaucoup peut-être sont un peu fâchés, ceux de l'Europe et tout ça, et ça prend assez de temps. Je me suis attelé à ça toute la matinée, dans la soirée, on avait déjà des rendez-vous de certaines personnes qu'on n'avait pas encore, lesquelles on n'avait pas encore prié. Il fallait vraiment prier pour eux, c'est des gens qui ont des soucis, donc on a démarré un programme. La plupart du temps, le temps qui est samedi. Souvent les premiers les mercredis, donc on a démarré aujourd'hui et à cause de l'annonce faite sur le YouTube, j'ai eu beaucoup de cas pour lesquels j'ai prié toute la matinée. Quand je suis rentré à la maison, je ne fais que travailler sur le Skype. Sauf ça que je n'ai pas respecté l'heure. Parce que vraiment, il y a trop de besoins à l'extérieur. Et quand tu attends d'autres parler, tu n'as même pas vu dans tout le temps parce qu'ils souffrent, les gens souffrent. Il faut leur donner la possibilité de connaître Jésus. Il y a aussi des musulmans qui ont reçu tout ça. C'est pour ça qu'ils m'excusent auprès de la famille et de moi. Parce que je ne pouvais plus venir de l'autre côté. Il fallait que vous veniez ici. Pour qu'on puisse faire d'une pierre deux coups, prier pour vous, en même temps pour tous ceux qui sont en train d'entendre. Voilà, donc, toutes mes excuses. C'est ça, notre ministère. On n'a même pas le temps pour nous-mêmes, pour notre maison. Et c'est comme ça. Jésus a fait de nous son esclave. Voilà, c'est le ministère le plus difficile. Si c'est un entretien, ok, mais si c'est un ministère de délivrance, tu es obligé après l'entretien de prier pour la personne. Et s'il y a les manifestations, souvent quand je prie, il y a d'autres mecs qui cassent leur ordinateur. Donc je dis que c'est difficile. Il est en train de prier pour quelqu'un qui casse son ordinateur. Il est en train de casser son ordinateur parce que les démons se manifestent. Il y a eu plusieurs cas comme ça, c'est sur le Skype. Pendant que tu es en train de parler à la personne, tu vois que la personne se lève, elle t'insulte, les démons se manifestent. Oui. C'est quoi ici là? C'est ce qu'on fait sur Skype. Les démons se manifestent. Donc ça prend du temps. Il faut chasser. La personne juste à côté réallume. Puis on le poursuit. Ordinateur, du chat. C'est démon. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ce qui a fait que j'ai pris trop de temps. J'avais déjà annoncé la chose. Je ne dors pas. Je ne dors même pas. Toute la nuit. J'ai prié toute la nuit. Je me suis retrouvé ici vers 5h du matin. Avec vous jusqu'à 8h. Je suis obligé de partir. Moi, les gens sur le Skype. J'ai eu peut-être 30 minutes de repos. Et vous pouvez être ici. Ma vie, c'est comme ça. Voilà, donc comprenez-moi, ma vie, c'est faite comme ça. Voilà, donc vraiment, priez pour moi. L'infâchement, la désarmer vos cœurs. Désarmer vos cœurs, hein. Voilà, c'est ça, c'est pas facile. Moi, je veux ta main au four, c'est ma prière. Et que Dieu suscite beaucoup de ministères comme ça dans le monde pour apporter, parce que c'est vraiment le problème. Quand vous attendez d'autres parler, c'est pour ça que les gens quittent l'Europe viennent, parce que ils sont comme des oiseaux, un oiseau en cage qu'on a déplacé. C'est pour ils sont, ils vivent encore pire que l'Europe. Ils pensent qu'en Europe, ils allaient plus s'en sortir. C'est quel bruit ça, s'il vous plaît? Je suis en train de parler. Marie, je suis en train de parler, donc arrête le bruit. Les gens souffrent énormément. Il faut vraiment les aider à fond. Or, ce ministère-là, ce n'est pas de la plus près. Ah, le Dieu, ça va. Maintenant, je fais de vous voir. Je parlais, c'est le même qui vient de vous voir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Je vous aime beaucoup bien, je vous aime, je vous prends dans mon cœur. Je vous souhaite que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Quand je suis assis en face d'une personne, j'aimerais l'aider à fond. Quand je prends mon temps, je l'écoute. Je prends mon temps. Parce que c'est ça la délivrance. Il ne faut pas faire de la plus chère. Je ne voulais pas faire de la plus près. Je vous comprends. Je vous comprends parce que ça a été un programme. On s'est dit, on vient ici, on doit peut-être retourner dimanche. Parce
qu'on répond à les activités, d'autres viennent, on doit retourner samedi. Mais c'est un ministère prophétique. Voilà, c'est un ministère prophétique. C'est ce qu'il disait aux gens sur le Skype. Pendant que j'ai rendez-vous avec vous sur le Skype, il y a quelqu'un pour lequel je suis en train de faire des délivrances. Je ne vais pas les laisser. Il y a des délivrances qui peuvent prendre une heure du temps, deux heures du temps de délivrance. Là, vous plaignez. On a envie de vous aider. Sinon, autrement, on pourrait vous dire de prendre l'avion et venir. Vous allez voir des réalités ici. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Mais la famille, les moines, que Dieu bénisse. On devait peut-être faire ça à huis clos, c'est-à-dire ensemble, mais il est obligé de nous conduire ici. Parce que demain, je n'aurai pas de temps. Pas du tout, parce que la lecture, et puis demain soir, il faut achever le travail, libérer certaines personnes. Lundi encore, finir le travail, parce qu'on voyage le mercredi. Lui qui est juste derrière la caméra, lui voyage lundi. Tout est fait prêt. J'annonce en même temps que tout est fait prêt pour Rabat. Tout est fait prêt. Les salles sont. Les résidences sont déjà réservées. Merci aux frères d'Europol. Le travail que nous sommes en train de faire, nos parents ont peur de venir là-dessus. Donc quand vous n'avez pas de code, vous ne voyez pas. Ils vont sortir la réponse qu'ils ne voyaient pas. Donc ce qui les arrange, l'Afrique du Nord, quand tu dis Rabat, oh, tout le monde préfère aller à Rabat. Or, c'est le travail que nous sommes en train de faire, les sensibiliser pour qu'ils puissent venir en Afrique. C'est-à-dire, c'est vrai que venir en Afrique. Or, la stratégie de Satan, c'est de les faire rester là-bas. Donc, à rester. Donc, le contact avec eux, les sensibilise pour venir investir en Afrique. C'est vrai qu'ils ont vécu une expérience. La sorcellerie, c'est pas un amusement. C'est pas un amusement. La sorcellerie, la c'est l'anime, cette histoire de religion. Il y a quelqu'un avec lequel j'ai prié, fait sa délivrance, chassé même ses démons, il a bavé s'il peut, tout à l'heure sur Internet. Il est musulman. Il a dit, mets ta main sur ton cœur, à terre. Chasser ses démons, sa femme le poussera au ordinateur. Donc, ça dit, cette histoire de sorcellerie, là, c'est ni religion. C'est pour dire, je suis ouvert. Moi, c'est quand tu es bouddhiste, je t'attaque. Ça, je vous dis, parce que les bouddhistes disent, Dieu n'existe pas. Oh, tout le monde dit, ça, c'est un blasphème. Ne pas croire l'existence de Dieu, c'est grave. Vu qu'il existe, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Vraiment, que Dieu bénisse. C'est comme ça. À un moment, Dieu nous permet de le chercher dans des conditions peut-être bizarres. C'est comme ça. Dieu, on le cherche comme on cherche l'argent. L'argent, on cherche à quoi avoir. Si tu ne cherches pas, tu ne vas pas avoir l'argent. C'est comme ça. Dieu, on le cherche. À un moment, il dit, vous me chercherez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est le boulot le plus difficile. Et un jour, j'étais sur ma tablette comme ça, je priais pour un angoulaire. Dès qu'il a raccroché, j'ai vu comme une aiguille rouge, c'est une pointe. Et puis j'ai vu, en tension, paf, ma tablette s'est éteinte. Oui. Les esprits, ce n'est pas amusant. C'est le boulot le plus difficile. Le plus difficile. Et moi, je fais ça avec passion. Je m'en fous si les gens me critiquent. Mais la vie humaine ne les dérange pas. Et ça, je suis prêt à vous dévoiler. C'est sur mon combat. Non, je ne vais pas permettre que quelqu'un, un sorcier va venir terroriser une famille. Pourquoi? Rien. Il n'y a pas de raison. Il n'a pas de raison. Il veut détruire. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu m'a fabriqué à cause de vous les sorciers. Si vous voulez, mettez-moi dans la chambre, moi je vous déclare. Si vous êtes bien, je vous mets à terre. Pas de longueur, je sais qui est Jésus. Voilà, je sais qui est Jésus, c'est Dieu. Voilà, donc que Dieu bénisse. Vous êtes dans un endroit ici où Dieu est obligé, c'est une obligation. Vous êtes condamné à réussir ici. Voilà. L'église qui était arrêtée au point, voilà, ça commence à se mettre en marche. Ils savent très bien, même les sorciers savent. Et en rentrant ici, ils sont en danger. En danger, parce qu'ils ne reprennent pas, ils reprennent la sortie pour mourir. Ils sont à l'aise parce que ici on les délivre. On les délivre, les sorciers. C'est le seul endroit où on voit la sorcellerie comme une maladie. Voilà. Ailleurs, on te brûle. Tu vois, vous parlez, on dit, mais j'ai David et par exemple, je dis, pourquoi tu peux tuer 843 personnes? Il est là, il me réagit. Il a quelqu'un ici, il a tué 843 personnes. Il a fait toutes les sorces que vous connaissez. Oui, à Kwesi, soit Sarachi, soit Jimé, soit Scopé, Bogassou, voilà. Votre sens aussi, Tikiti. Il a fait tout ça. Il a fait toutes les sens. 843. Ah, c'est un jeu de ça.
Et il y en a plein comme ça dans les familles. Alléluia. Amen. Amen. Il faut aider les gens. Les gens souffrent. Amen. Amen. La vie humaine, vraiment, il y a des gens qui succombent, franchement, et dans le secret, ils veulent détruire. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. 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 On va essayer de prier pour vous. Nous allons prier pour vous. C'est vrai que cette famille, on ne devait pas être ici, mais c'est le plan de Dieu peut-être. Qu'on soit ici sérieusement pour mettre fin à quelque chose. Nous avons commencé. Et pour dire qu'il y a une fin en toute chose, c'est ça, c'est plus important. Il y a une fin en toute chose, c'est comme le peuple d'Israël en Égypte. Le peuple a fait 430 ans. 430 ans. Et puis un matin, Dieu a décidé de délivrer Israël. Or, au moment où Dieu décidait de délivrer Israël, il y a les Égyptiens qui ne voulaient pas laisser Israël partir. Mais comme c'était dans le plan de Dieu, Dieu a compresse Pharaon à lâcher Israël. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu même a endurci le cœur de Pharaon pour l'abattre. Dieu a endurci son cœur. Donc il y a des gens que Dieu n'aimerait jamais qu'ils se répandent. Si vous voyez qu'une personne qui est sorcière, qu'elle ne veut pas changer, vous trouvez que le châtiment de Dieu n'est pas loin de cette personne. Oui, parce que Dieu voulait forcément châtier le Pharaon. Il a dit, je vais endurcir son cœur. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Effectivement, quand le peuple a traversé la mer Rouge, Pharaon et tout son armée ont péri dans la mer Rouge. Amen. 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 C'est une histoire qui a commencé. Et vous savez que Dieu, quand il commence, il achève son travail. Amen. Voilà. Ce n'est pas vous seulement, et nous avons parcouru un peu partout toute la Côte d'Ivoire. Le ministère, j'avais démarré ici en 2006. J'ai parcouru beaucoup de régions. C'est vrai que c'est maintenant qu'on est assis un peu. Depuis 2009, on avait commencé à Bidon. On avait un cabinet. Et puis Dieu a voulu que ça soit à l'intérieur. Donc 2009, on a tourné. 2006. On a tourné au niveau de la Côte d'Ivoire, tel que Guéyo. Nous avons délivré les villages de Guéyo. Et après Guéyo, dans la région de Soubré, nous avons eu des délivrances dans la région de Soubré. Nous sommes arrivés à Grand Lao. Et quand vous parlez de Grand Lao, c'est vite derrière l'eau, à 15 km, marché, c'est pirogue, la pirogue, donc on est 15 km sur l'eau. Et après Guéyo, Grand Lao, Sassandra, je parle de Fresco. Nous avons visité pas mal de villages comme ça où j'avais des grands mangeurs d'âmes, des esprits destructeurs dans les villages où Dieu l'a puissamment utilisé. C'est en 2006, en 2009 plutôt, que la presse a commencé à me suivre. Un matin, je me lève, on dit, ah, ils ont mis les séances de prière. Oui, parce que j'avais mis la main sur une dame. Et soudain, dans un village où cette dame avait détruit toute une famille. Et en même temps, elle avait du sang humain dans une bouteille. C'est comme le vampire, elle buvait le sang humain. C'est-à-dire la contact, mais physiquement, le sang était là dans la maison. Et nous sommes allés, on a mis la main là-dessus. Oh, il y avait des gens qui étaient venus à la cette croisade. Ils ont pris des photos, je vois les speakers des gens. Je vois, c'est là eu. D'un jour là, ils m'ont appelé. Est-ce qu'on peut te suivre parce qu'on ne croit pas à la sorcellerie? Ils m'ont suivi. Et c'est comme ça la presse a commencé à parler de notre ministère un peu partout. Ils m'ont suivi. Dans les sciences, ils disent que la sorcellerie. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au travers de notre ministère, comme nous dans les plateaux de télé, pour parler de l'affaire. Ils m'ont déjà dit plusieurs fois à la télévision que c'est parce que tu es courageux qu'on t'invite toujours, parce que le sujet fait peur. On a vu les pasteurs ont peur de parler de ça parce qu'ils disent qu'ils devraient t'attaquer. Or, le vrai problème de nous, les Africains, c'est ça. Eh bien, non, donner les offrandes, donner des dîmes, tout ça. J'en ai prié pour que vos affaires vont marcher. Mais il y a quelqu'un qui a bloqué l'affaire. Il faut les détruire. Ah, ils ont peur de parler de ça. Et ça te compare de ça. C'est pas faux quand tu parles d'eux. Ils s'opposent à toi aussi. Amen. C'est comme ça, par la grâce de Dieu, la presse, avec la télé, on a commencé à communiquer. Donc, 1h30 d'émission, souvent 45 minutes d'émission, souvent 30 minutes d'émission. La dernière grande émission qui était Expression Jeune. Où j'ai parlé, et ça a commencé à faire du bien à beaucoup de personnes. Depuis que nous sommes postés sur le YouTube, d'ailleurs, ça a motivé beaucoup de personnes à venir. Parce qu'on a commencé à expliquer la sorcellerie. Et notre ministère a démystifié la sorcellerie. Parce que nous les banalisons. Parce que la Bible dit qu'en tant que chrétien, ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans les sorciers. Voilà, nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons la force de Dieu en nous. Et ça permet aux gens de comprendre qu'il y a une autre force. Au-dessus de la force de la sorcellerie.
Amen. Voilà, donc soyez fortifiés, nous allons commencer un travail. J'ai voulu réunir toute la famille et prier pour vous. Jamais je ne suis un diviseur. Je n'ai jamais divisé. Il y avait un problème de sorcellerie dans la famille. Et cette sorcellerie a détruisé beaucoup de personnes dans la famille. Nous avons décidé de vous aider. Et quand la chose a déclenché, nous, ce n'est pas avec contrainte. On ne force pas les gens à faire des aveux. C'est les gens qui décident de faire des aveux. Et dans les aveux, on prend le temps. Et ça, pour nous, c'est une obligation. Parce que c'est une étape très importante pour atteindre la délivrance. Le fait même de se tenir debout pour dire j'ai fait telle chose. Or, la sorcellerie, vous voyez aujourd'hui là, c'est une société secrète. Quand tu inities la sorcellerie, parce que quand on vient t'initier, on te donne ce qu'on appelle la chair humaine, et puis on te donne du sang humain à boire. Pour dire désormais, voici ton travail. Quand tu commences, tu dois tuer forcément quelqu'un pour avoir droit à la parole. Et c'est pour cela que la sorcellerie, c'est un truc qu'on doit tous combattre, parce qu'on ne peut pas être sorcier sans qu'on ait tué. Quand quelqu'un dit les sorciers, il n'a jamais tué, moi. Parce que la sorcellerie détruit. C'est ce qu'on appelle les crimes spirituels. Amen. Amen. Ils ont la capacité de donner les maladies, ce qu'on appelle la maladie mystique. Ils donnent mystiquement les maladies aux autres. Et quand tu as une maladie mystique, tu pourras tout t'en sortir. Tu dois aller voir le beau médecin avec toute cette connaissance-là. Rien. Lui-même les donner, il ne sait même pas comment t'aider. Parce qu'il est limité. Or, il y a deux mondes qui caractérisent d'autres mondes. C'est pour ça qu'il faudrait que nous soyons spirituels. C'est quand quelqu'un te dit tu es trop spirituel, tu as reçu ta vie. Oui, parce qu'il faut être trop spirituel. Il faut se connecter à Dieu. Amen. Il faut se connecter à Dieu. Et nous avons commencé un travail dans la famille et nous sommes en train d'achever ce travail. Donc nous permettons aux sorciers de parler librement. Ils ont fait les aveux dans la famille. Et on a décidé d'aider pendant que ça choquait d'autres personnes, parce que c'est choquant. De comprendre que vous avez vécu une personne tout le temps sans connaître la personne. Oui. Vous avez vécu une personne sans connaître cela. C'est ça. On ne finit pas de connaître l'homme. Or, c'est Judas qui a trahi Jésus. C'est ce qu'il disait souvent aux gens. Non, ma maman, est-ce que tu ne maîtrises pas? Ta maman, c'est vrai, c'est ta maman, il disait où ça va la nuit. Tu vas te dormir, chacun sait où ça va la nuit. Elle disait où ça va la nuit. Tu as quel pouvoir de dire non, elle n'est pas dedans. Amen. Donc, c'est ça, on ne finit pas de connaître les gens. Or, celui qui va te détruire, c'est celui qui est juste à côté et qui te maîtrise. Il te maîtrise. La personne mieux placée pour livrer. Les gens avaient tous peur. Ils avaient peur de mettre la main sur Jésus. Et c'est Judas qui s'est porté garde. Il est parti là-bas. Pour lui donner la raison. Bon, Jésus, là, je le maîtrise. Et où l'a arrêté Jésus? C'est à Gethsémani. Or, Gethsémani, c'était l'endroit où les gens avaient l'habitude de se rassembler pour prier. Donc, ils maîtrisaient le programme de Jésus. Et c'est dans la nuit qu'ils sont venus arrêter Jésus. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai l'habitude d'enseigner aux gens ici. Quand vous vivez avec une personne, ce qui doit vous intéresser, c'est de maîtriser la personne. Je cherche à savoir qui est réellement la personne. Amen. Amen. Oui, parce que c'est ça. Si vous ne maîtrisez pas cette personne, c'est elle qui va vous maîtriser et vous détruire. Alléluia. Amen. Or, les blancs, depuis, c'est vrai, nous sommes très familiers, c'est très intéressant parce qu'on aime bien la chaleur et tout ça. Vous savez, quand les blancs ont commencé à combattre, c'est eux qui ont envoyé la chasse aux sorciers. Ils ont commencé à combattre. Souvent, quand ils voient mes vidéos postées, ils sont en train de m'attaquer. Moi, je leur ramène leur histoire. Je dis, vous voyez, moi, je n'ai jamais brûlé les sorciers. Vos parents, vos aïeux ont brûlé les sorciers. C'est des criminels. Moi, je suis un homme civilisé. Je les délivre de cette maladie. Amen. Qu'on appelle la sorcellerie. Je ne les brûle pas. Mais je les débarrasse de la sorcellerie. Amen. 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 Je les débarrasse de la sorcellerie. Or, la sorcellerie, vous voyez, c'est une maladie. Qu'on a ça, on a envie de gâter. C'est comme ça. Qu'on a ça, on a envie de gâter. Or, le sorcier qui est là, lui, il voit dans l'invisible. Il vous maîtrise. Il sait, il connaît votre devenir, il connaît tout. Il vous détruit. Il fera tout pour vous nuire. Nous avons commencé un travail, on parlait, parler. Puis à un moment donné, il fallait maintenant aller détruire un truc mystique. Or, quand on arrive à ce stade, c'est encore plus dangereux. Il fallait vraiment aller jusqu'au bout. C'est ce qu'on essaie de faire par la grâce de Dieu. J'ai décidé d'aider. C'est vrai que même après ça, je l'ai amené là-dedans ma question à Zaro. Parce que la famille était choquée. Apprendre qu'on a vu une personne qu'on maîtrisait. On vient d'apprendre que c'est cette personne qui était la base de tout le malheur. Mais nous sommes l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Il y a le message qui est l'église, c'est l'amour. C'est l'amour. Donc,
Par amour, on l'a recueilli. Il peut la passer le temps qu'il pouvait passer à Zaroko. Voilà. C'est pas une séquestration. Elle est restée à Zaroko. Une rééducation spirituelle. Parce qu'elle a l'habitude de faire des voyages astrales. Voilà, donc il fallait l'amener dans un camp de prière avec les Zaroko là-bas. Et nous avons aidé spirituellement parlant. Après, on a décidé qu'elle revienne en Dieu. Voilà, parce qu'on devait acheter un travail. J'étais tellement pris parce qu'il y avait des voyages, après tout ça. Et puis, juste après, à Covid, le Seigneur a permis que je parte de Tunis, c'est qu'il y a des prix chez moi à la maison. Mais depuis l'arrivée de Zaroko, elle n'a jamais cherché un nouveau. C'est dans leur comportement, les sorciers. Elle ne m'a jamais approché. La dernière fois que je la voyais, elle dit, est-ce que moi, je ressemble à quelqu'un qu'on doit fuir? C'est comme ça le comportement. Or, pour nous, faut qu'on te fait, quelle parole ne choisit pas? Amen. On ne choisit pas parole. Quand Dieu nous donne les paroles bizarres. On se dit, ah Dieu, parce que lui là, tu as envoyé ta famille là. Amen. Amen. Et c'est comme ça. Alléluia, c'est comme ça. Donc on a décidé d'aider. J'ai voulu quand même que tout le monde soit présent parce que nous sommes croyants. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes chrétiens. Voilà. Et bien comme Moïse est eu et alors vous soutenez dans cette difficulté. Vous avez vécu des moments difficiles. Moi, je sais ce qu'on appelle la société. Je sais ce que c'est la société. Je suis mieux placé pour vous soutenir parce que je sais ce que vous avez enduré dans le cycle. Et bien justement pour vous aider. Réunis toute la famille pour qu'on puisse prier. Vous savez, la force de l'Église, c'est la prière. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau, un vent nouveau souffle la famille. Et ça, c'est important. Si les choses commencent à se stabiliser, vous allez voir comme ça vous passer. Vous allez oublier. Oui. Oui, si les choses commencent à changer dans la vie, c'est vrai, vous allez oublier tout ça. Or, il faudrait que vous oubliez. Donc notre prière, c'est la suite. C'est quoi après? C'est vrai que le sorcier a parlé, le sorcier a dit des choses. Mais après, tous ceux qui n'arrivaient pas à se marier, se marient. Vous êtes une famille où il y a de belles femmes d'ailleurs. Et tout le monde est un peu célibataire. On ne sait jamais, peut-être qu'on peut avoir quelqu'un ici. Oui, c'est une belle femme. Tu comprends que les belles femmes comme ça, c'est difficile. Les enfants qui sont intellectuels, mais qui sont intellectuels comme des grands diplômes quand même, c'est beau. Or, un enfant, c'est un investissement. On investit un enfant parce qu'on a besoin de ça en retour, c'est un héritage. Il revient au point zéro, il est sous la charge de ses parents et ça fait mal. Ça fait mal. Or, quand, vous savez, quand le sorcier dans la vie d'une personne, ça se sent. Tous les films derrière là-bas. Amen. Donc, c'est un peu ça. Donc, on sent, vous savez, quand une vie est minée par la sorcellerie, ça se sent déjà. Tu as l'impression qu'on te dit par l'arrière. Et ta vie est caractérisée par le non-aboutissement. L'échec. Tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. Et tu te poses beaucoup de questions. Tu dis non, c'est pas possible. Tu fournis des efforts. Peu de rendement. Ça veut dire quelque part, il y a une main obscure. Il est invisible, qui te bat la main. La vie qui te bat le chemin de la réussite, qui te bat le chemin de bénédiction. Or, il ne faut pas s'asseoir, il faut chercher Dieu. Hein? Il ne faut pas s'asseoir pour pleurer. Ça ne reçoit pas le problème. On ne s'assoit pas pour résoudre le problème. Quand Jacob a eu ce problème, il constate qu'il a eu une parole prophétique. Vous savez, chacun d'entre nous ici a une destinée. Dieu n'a jamais fabriqué de gloire, ça n'existe pas. Dieu nous donne une destinée. La preuve, quand Jésus est né, c'est les rois mages qui ont vu l'étoile de Jésus. Or, étoile, c'est le symbole de gloire, de bénédiction. Les rois mages vont chez Hérode et partagent l'information à Hérode et ça suscite des choses dans le cœur de Hérode. Comment faire pour détruire celui qui a l'étoile? Et ainsi que Dieu a envoyé Jésus-Christ, l'ange parle à Marie et Joseph à mener l'enfant en Égypte. Ils sont restés en Égypte pendant des années. C'est quand Hérode est mort que Jésus est parti.
ils ont ramené Jésus à Jérusalem. Parce que la Jérusalem, c'est la cité des rois. Amen. Amen. Jérusalem, il y a des gens qui sont là. Que vous voulez ou pas, qui sont là dans le cycle, qui viennent aujourd'hui. Or, Jacob a commencé à chercher Dieu. Il allait d'abord, son père l'a béni. Il va se retrouver quelque part chez son nom, chez Laban. Il vivait les difficultés, il ne comprenait plus sa vie. Et puis à un moment donné, au moment où il repartait à Canaan, chez ses parents, il a décidé de chercher Dieu. S'il vous plaît, madame, si vous voulez communiquer, sortez. Pourquoi qu'on cherche Dieu, Dieu agit. Et Dieu est descendu. La Bible dit que l'ange de l'Éternel a apparu à Jacob. Et il y a une lutte. Il dit à l'ange, bénis-moi. Toute une nuit. Or, vous savez, le diable te pose, t'imposer une identité. C'est-à-dire, tu es bien, il peut venir t'imposer la prostitution. Nous avons vu ça dans les aveux aussi. Bientôt mon livre, il y aura un livre qui va apparaître bientôt, très bientôt, surtout dans le mois de novembre. Le tome 1 va sortir pour vous éclairer un peu sur ces machins. La sorcellerie. Vous êtes là, depuis tout court, votre vie change. Vous avez envie de vous prostituer. Un homme, un seul, une seule personne vous dirait. Vous êtes plus d'un autre assez mieux. Vous êtes partout à la fois, vous regardez partout. Or, quand vous arrivez sur ce terrain, aucun homme ne veut vous marier. Parce qu'on ne peut pas vous partager. Vous comprenez? On a vécu ça ici, vous, dans les aveux. La jeune fille dit, c'est moi qui a fait que ma soeur, elle ne s'est pas dit non. Non, elle ne s'est pas dit non. Elle dit, demoiselle, elle dit, même pas, je t'habite. Elle dit, t'es dit, où tu habites, où allons-tu? J'ai dit, mais attends, t'es fatigué, je vais te draguer. Je ne veux même pas que tu te draguer. Je suis déjà d'accord. Au lieu de te fatiguer, vous dites, je t'aime, là, elle-même est complexe, allons-y. Alors, je suis pas là. Non, mais tu sais que c'est là, je suis étonné. Oh! C'est spirituel. Nous sommes mieux placés pour comprendre. On peut donner l'esprit de vol. Tu donnes le plus grand voleur. Tu as envie de voler tout. Tu vois des choses intimifiantes. Tu voles. Et tu es là, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te suit là. Quand tu touches, ça se gâte. Tu dis, mais pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière qui gâte tout. Amen. Amen. Oh, c'est ça qu'ils ont imposé à Jacob. Jacob a cherché Dieu. Il faudrait que votre identité spirituelle change. Ce qui m'a intéressé, l'ange. L'ange dit, quel est ton nom? Alléluia. Amen. Quel est ton nom? Tu veux être béni, mais quel est ton nom? Quel est ton nom? Or, la signification de Jacob veut dire trompeur. Trompeur. Il dit Jacob. Il dit que tu appelleras plus Jacob et Israël. Ton nom sera Israël. Pour qu'il y ait le nom d'Israël, Jacob a lutté avec l'ange. S'il vous plaît, Jacob a lutté avec l'ange. Quelle est ta lutte que tu fais? Ta vie est bizarre, il faut chercher Dieu. Il arrivait un moment de ma vie où c'était bizarre moi-même. Je vous assure, mes poumons étaient infectés. Terriblement infectés. La sorcellerie. Ils ont tué mon père. J'ai vu mon papa mourir. Un matin, il va se laver. Il dit qu'il s'est fait pétiche, non? Il a porté ceinture jusqu'à la diabo des sorciers. Oh, il faut enlever pour les se laver. Le quand il a enlevé le sorcier, il dit, ok, take! À terre, boum! Il a commencé à crier, me tremble. On a vu le papa mourir. Il a bavé jusqu'à l'aéroport. On prend le corps du père, on envoie la mort, le morguer, qui l'a étranglé, tout le monde est choqué. On dit non, ici il y a des blessures, sans qu'il y ait quelqu'un qui est mort. Il y a un monde qu'on appelle le monde invisible, c'est une réalité. Et le combat a déclenché dans la famille. Ça a déclenché dans la famille. Mon frère n'est pas, il est mort. Après ça, les gens commencent à mourir en cascade. Vous voyez les gens venir, qu'on s'en parle, mon père, ma soeur, elle allait dormir, ils ont vu le mec. Et j'ai dit à ma soeur, à mes parents, je suis convaincu qu'ils vont m'attaquer. Oui, je suis convaincu. Mais je n'ai pas de moyens pour me défendre. J'avais peur. Je peux même pas dormir ça. Je sais qu'ils vont m'attaquer. On dit non, mais tu es en France ici.
Combien de gens ont venu te détruire ici en France? Je dis, quoi, sorcier? Sorcier est venu chez nous à la maison. Tuer mon papa sous nos yeux. On a réalé. Sans défense. Mon papa et moi, ils l'ont tué. Oh, ils ont mal à l'iso. Oui, quand tu es dans une situation, ces genres de trucs-là, il y a des gens qui banalisent ça. Or, moi, j'avais déjà compris. C'est que mon père nous avait dit. Mais malheureusement, lui, il n'avait pas trouvé le bon chemin. Je vous assure, on a connu tous les marabouts à la maison. Chaque mois, on nous fait boire Nasidji. On est fâché. Tu es fâché, le père va te finir. Lève-toi. C'est quoi? Non, c'est pour nous protéger. Tu es fâché. Tu es assis là, tu vois le gars, il est bizarre, il crache. Hein, qu'on l'a... Tu le regardes, tu dis, mais c'est quoi ça? Ton cœur, c'est tant bizarre. Et puis nous, les noirs, Nasidji. Et les versets coraniques, c'est une tablette, on va dire, Tony, tu dois voir ça. Tu dis, mais nous ne pas la messe, qu'est-ce qu'il nous veut? Il veut nous rendre sorciers ou bien? Et lui, c'est ça, il faut. Et tout le temps, chaque mois, vous avez une semaine quoi, de pratique de ça. Tu vois, tu es fâché, tu mets dans ta bouche, j'ai pas envie de avaler. C'est lui, mais il dit, ouvre ta bouche, ouvre, ouvre, ouvre. Elle est convaincue que c'est elle là. Il te dit ouvre la bouche. T'oublies d'avaler. Tu es fâché, mais tu avales. Ben, il va te frapper. Pour lui, il faut qu'il nous protège. Or, il oublie une seule chose. Que c'est Dieu qui protège. C'est Dieu. Ça nous énervait. Il envoyait des marabouts, des béninois, bizarres, qui venaient du Bénin, qui moulaient des moutons, qui tombaient du poisson. Et bien, Mathieu non plus. Ils l'ont tué, ils l'ont mangé. Bien. Ce n'est pas Dieu, vous êtes exposé à un danger. Frère, tu n'as pas Dieu, tu es exposé à un grand danger. David dit, c'est avec Dieu. Le psaume 60, verset 4. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Que vous ne voulez pas, vous aurez des ennemis. Qui est celui-là qui est au devant de toi, qui te défend? Amen. Et quand ça a commencé, on a compris que le sujet était sérieux. Parce que mon papa avait déjà commencé à parler de la sorcellerie dans la famille. Pour lui, il fallait aller dans les maraboutages, ça n'a pas marché. Mon frère est mort. Après ça, ma soeur et moi, étant plein d'études, quand je vomissais le sang. Dès que j'ai commencé à vomir le sang, c'était en novembre. En novembre 2004, j'ai commencé à vomir le sang. On me prend, on m'amène à l'hôpital. Les blancs, ils regardent. On n'est pas malade. J'ai commencé à pleurer. Le gars de mon fléchit les poumons. Une semaine encore, je reprends le coup, la même chose se reproduit. Les blancs, ils ne maîtrisent pas les choses comme ça. On te dit, ah non, c'est rien, c'est quoi rien? On fait tout. Et la chose terrible, c'est que les nuits, ils n'arrivaient pas.